l'humanité. Nuknasa Samamo. C'est bon. Je suis parvenue à briser son dernier sort de protection. Il faudrait que tu partes. Pour info, je vis ici. T'as qu'à l'achever et ensuite tu viendras m'aider à faire disparaître les deux autres Maccabées dans ma salle de bain. Écoute, je vais pas te laisser toute seule en compagnie du grand Manitou du néant. Pourquoi ? Tu me détestes. Je suis la méchante sorcière qui a fait du mal à Davina et qui détient Marcel en captivité, tu te rappelles ? Laisse-moi deviner. Tu as des questions. D'après ce que j'ai compris, ton chef suprême doit réunir quatre de ses ossements pour pouvoir renaître. L'un d'eux étant la lame de Papa Tunde que tu nous as volée. Où sont les autres ? Tant que je suis le seul à pouvoir te donner cette réponse, tu ne vas pas me tuer. J'ai le pouvoir de provoquer une crise cardiaque. Pas tout à fait fatale, mais pas loin. Où sont les ossements ? J'en sais rien. Si tu refuses de me donner ce que je veux, il va falloir que je le prenne. Vito Viva Tumtex. Apaisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Réponds ou je te tue et je demande à quelqu'un d'autre. Les apaisés. C'étaient les gardiens qui protégeaient les ossements il y a de ça des millénaires. Ça ne signifie rien aujourd'hui. Je n'ai pas les informations que tu réclames. Alors on en a fini. Attends ! En revanche, je sais une chose. Je sais où est la Malro, la louve, en ce moment même. Kilin. Je quitte le 9e district à l'instant. Je te commande un verre. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien d'elle, c'est un mensonge. Je sais combien elle compte pour toi. Je sais que tu ne vois qu'elle, même perdue au milieu de la foule. J'avoue que je n'ai guère apprécié ton petit sort d'encerclement, donc j'ai envoyé mes amis dans le 9e district. Tu es ta louve, chérie. Ils y sont en ce moment même, à Sainte-Théodora, à la clinique. Elle doit être déjà morte alors qu'il est. Mais si tu me tues, tu ne sauras jamais où ils ont mis le corps. Où est Kirin ?